Grande journée. Ouais, petite journée. La folie. Comme Liane. Ça paye même pas ma mort de la mine. Attends, tu peux élever des poissons? C'est oui. Trop bien. Apparemment, oui. Comment ça va? Bah, comme des huîtres, des moules. C'est ça. Ostréiculture, quoi. Comment que ça marche? Je sais pas. Ah non, 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 non. Ah, on peut faire pulluler la plupart des poissons. Salut Oscar. Ah, on a la télé qui dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit la télé? L'été est réputé pour ses orages. Si vous savez fabriquer un paratonnerre, vous pouvez recycler l'électricité des orages pour créer des batteries. On en a besoin. Elles peuvent être vendues ou utilisées pour l'artisanat. Oh, trop bien. Incroyable. Comment on fait un orage? Ouais, mais. Bah, je crois qu'il faut de l'or et tout ça. Les poupous, elles vont avoir peur de l'orage. Ouais, mais. Là, j'ai remonté plein d'or, ça concède bien. Ah non, je vais pas de ce côté-là, je me fais engueuler. Je vais aller en dessous de moi. J'ai rien dit, je t'ai laissé faire, je me suis dit bon quand même, je vais lui faire confiance le pauvre. Moi je suis. Il s'est ravisé tout. Comme les poupoules elles sont pas contents. Et... Là tu vois toutes les plantes un peu cheloues qu'on est en train d'arroser, c'est les trucs genre les pois d'été et tout ça là. Ah c'est ça les pois d'accord. Ouais. Je peux faire la ligne du bas. Les pois. Les pois senteurs, les baies épicées. Ça va ramasser un. Ça fait quoi les pois senteurs pour... Enfin les pois de senteur là. La ça se revend en fait. Ça se revend et ça fait monter le... la cueillette. Est-ce qu'on fait des mayonnaises pour l'instant, okay. On les vend ou pas? On peut les vendre, hein, je pense. J'en ai si vend, on a, ouais. Si ça sert à rien, autant les prendre de suite. Et ouais, les ouais, ouais, je suis d'accord. Okay. Ça fait de l'argent. C'est ça, voilà. La moula. La moula, là. La mouillabaisse. Il y a 20 maillots là. Eh ben, chouette, on va voir si ça rapporte. Hein. Faut les mettre en boutique pour les soldes. C'est pour la saison des soldes. Waouh, ils ont combien de PV? Ouais, je vais galérer par contre. Hein. Oh, je leur fais 0 de dégâts, j'ai l'impression. Ah merde. Bon, on verra, j'essaie d'aller le plus loin possible, mais je sais pas, je vais au feu. Par contre, Guigui, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons une boîte à vers de terre. Donc on va faire des appâts. Je lis, ah mais je lis la description qui est encore plus forte. Produit des appâts régulièrement, les vers sont autosuffisants. Oh pardon, oui, oh purée, c'est trop bien. Donc je vais la mettre près de l'étang. Ok. Je trouve que c'est la place. Oui, oui. Donc voilà, on aura des vers. Donc quand on aura la nouvelle canne à pêche, on pourra utiliser ça. D'accord, c'est que sur la nouvelle du coup, c'est pas sur. C'est pas sur celle en fibre de verre, c'est sur celle au-dessus encore. Elle, Ouais, c'est sur celle au-dessus. Parce que moi, sur celle en fibre de verre, on peut déjà mettre des appâts. Quoique, non, je pense que ça peut fonctionner sur celle qu'on a. Hein. Si les petits appâts fonctionnent, peut-être que les verres vont fonctionner. Bah ouais, bah tester du coup. Ouais, c'est ça, exactement, tester. C'est comme à voter, mais pas en bien quoi. Elle est où notre copine buildeuse hein? Je sais pas du tout. Tu parles de qui? Robin, ouais. Celle de la bûcheronne. Elle travaille pas le jeudi. Ouais, la bûcheronne. Ah, il me faut du maïs, c'est ça que je voulais faire. Ce jour où j'y vais, ou elle est pas là, quoi. Elle a dû se barrer dehors. Atchoum. Peut-être. Hein. Ah, mais c'est vraiment un village de fêtes, hein, soyons honnêtes. Excusez-moi. À tes souhaits. C'est pas grave, pas de soucis, ça fera 50 euros. Non, je vais pas m'amuser à faire un don de 50 euros là. Ah, attention, attention, attention s'il vous plaît. Oula, oula. Je demande votre attention. Oula, qu'est-ce qui se passe? Le petit. Ah, non. Les wagons. Attention. Oui. Oui. Nous avons le wagon. Et une fournaise. Trop bien. Waouh, une fournaise. Cinématique, je sais pas si pour vous aussi. Non. Ah, bon ben. Parce que t'as wagon, nous sommes les Junimos de gardiens de la forêt. Avec des bruits bizarres autour. Oui, 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 oui. Ah, tu le fais bien. Ah, il m'a dit la arigato. Non, c'est pas, non, non, c'est pas ça. C'était du hiéroglyphe. Arigato. Je suis le bonhomme, hein. Je sais pas où est-ce qu'il m'emmène. Bah, il va aller vers son centre. Oh, t'as une étoile qui va s'allumer. Oh. Mon dieu, mais. Et il va normalement ça donne une chose qu'il faut pas vendre là.
Quoi? C'est pas une carambole, ça, c'est une étoile. C'est une étoile de complétion. Non, mais il a été assommé. Non, non, mais là, par contre... C'est peut-être que les monstres sont trop durs au niveau 80. C'est peut-être que tu es descendu trop bas, quoi. Ouais, là, là, c'est... ça va être compliqué. Là, il faut que tu... Je pense qu'il faut que tu remontes, en fait. Il faut que tu fermes au-dessus pour commencer. Ouais, je sais pas si je peux plus... Ouais, là, ça a l'air dur. C'est pour l'or, en fait. C'est le problème pour l'or. Ah, parce que l'or, je l'aurais pas plus... Enfin, je l'aurais pas plus haut. Ou alors, faut qu'on gagne à deux. Mais à deux, je sais pas si ça... Si ça pire ou pas. Je sais pas du tout. Ouais, ça fait chier. Le raisin, c'est d'été. Hein. L'argent, là, mais... C'est pas grave. Raisin était. C'est pas grave. Je vais pas dire on s'en fiche, mais... Voilà, je peux pas j'ai pas perdu pour le coup. J'ai perdu 100 PO, je crois, mais... Oh, waouh, 100 PO. C'est pas 900 comme tout à l'heure, quoi. Mais il y a un endroit qui est buggé, toujours, Jean. Ouais. Je la mets où? On peut pas poser là. Bah, j'en sais rien. Là, en plein milieu du chemin, ici, là. Allez, très bien, vas-y. Elle va être contente, Nino, t'aimes. Attention, je fais, hein. De quoi, qu'est-ce qu'il met? Attends, c'est où? À droite, Nino, à droite, Nino, à droite, à droite, l'autre droite. On dirait moi. À l'entrée, à l'entrée. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas où mettre la fournaise, du coup, je voulais la mettre là. Ta fournaise, bah là. Mais non, ça, justement, là, j'y arrive pas, c'est bugué. C'est tout rouge, c'est bugué, ça veut pas. Mets-la dans le coffre, ce mets-là, là. D'accord, dans le coffre. Oh, putain, il y a tout ça dans le coffre, pardon, excuse-moi, mais... Oh, au secours. Ah ouais. C'est fatigant. J'en peux plus de vous. Est-ce que vous croyez qu'on peut rajouter des lits chez quelqu'un? Un train. Oh vite. Oh, mais j'aurai pas le temps, je suis trop loin. Il faut aller au niveau du hammam et remonter sur le train. Il y a le train qui va balancer des choses par-dessus les wagons et ça va. Ah oui, c'est vrai qu'il donne des trucs. Bah, j'essaie d'y monter, mais ça va être compliqué. Je pense que ça va être trop tard aussi, ouais. C'est au nord, au nord, au nord, au nord, au nord, au nord, au nord. C'est où? C'est près de la mine? C'est au-dessus, c'est au-dessus de la maison de Robin. Ouais. J'y vais, mais j'y serai jamais. Je sais même pas où je vais. Ouais, on était tous en bas. Ouais, ouais. On va voir, hein, c'est trop dur. J'y suis. Ok. Il y a un train. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le train, il va balancer des choses et il y a juste à ramasser. C'est comme quand un camion se renverse sur l'autoroute, faut se jeter et prendre des produits pour les revendre sur le bon coin. Ne faites pas ça. Mais là, il balance rien. Peut-être qu'il va. Ah, il y a écrit Jean-Jean, il succe. Là, celui-là, bam. Pardon. D'accord, rien. Je suis bête, j'aurais dû prendre le wagon. Ouais, là, pour l'instant, il y a rien, ouais. Ah oui. Si là-bas, il y a des cailloux. Quoi? Ah, des cailloux. Ouais, génial, des cailloux. Vite, des cailloux. Ils nous ont juste filé des pierres. Ils nous ont balancé des caillasses à la gueule. C'est tout ce qu'ils ont fait. On a eu que des cailloux, ouais. On s'est fait violenter. Ça va même pas le coup, quoi. Mais complètement. Ça valait même pas le coup de monter. Mais grave. Ils nous ont juste violenté. Ah, oh, il y a du monde. Il y a quoi d'autre ici à part C'est comme ça, je vais me rouler. Alors là, il y a le train, il y a le hammam en dessous là. Ah oui, c'est vrai, il y a le hammam. Bah tiens, d'ailleurs, si vous voulez du bois, au passage. On va se baigner? Non. Moi, je peux y aller, oui, c'est que. Oh, mais c'est tout sale. C'est sale. La dernière fois, c'était propre. Enfin, le bâtiment, il fait tout vieillot, tout crado, quoi. Est-ce que c'est trop bien. Excusez-moi. Oui. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Il a trouvé une pierre sur le stream, un peu chelou. C'est une des énigmes. C'est une énigme? C'est une des énigmes, ouais. Et après, ça va nous donner un accès à... Comme à... dans la mer, les totems, je pense. Je suis pas sûr. Ah ouais? Bon, peut-être. Je vais pas utiliser ça. Enfin, je venais de rentrer dans mon bain. Bah, c'est pas grave. Voilà, le bain, les vous classes. Là, je suis au niveau du quai de la gare. Au niveau du quai de la gare? Ouais. Là, je suis sur les rails, c'est dangereux. Vers la ville. Et en haut à droite, tu as un truc avec des pattes. Et non, il s'est vide. Avec des pattes? Ici, là. Ah oui! Qu'est-ce qu'il fait lui? Des gaufres au sucre. J'ai envie de gaufres.
Mais... Et moi, j'ai envie de gaufres. Mais... Une glace? Non. On n'a pas de gaufres, mais on a des glaces. Ah, hein. De glace. Mais on a des glaces. Ah là là. Bon, moi j'ai récupéré quand même un peu de, d'or avant de mourir. Avant d'être assommé. Tac. Garo mori. Putain. Hop, hop, hop. Vous avez dit bonne nuit au poule ? Attends, je suis pas encore. Oui. Moi je leur dis tous les jours. Je sais jamais lequel c'est. C'est bien. Oh il faut dire bonne nuit aux poupoules. C'est important pour leur morale. Alors, on avait dit qu'on avait une carotte des cavernes quelque part. Hein. Sûrement. Ne vous battez pas. Pourquoi okay. Il faut des carottes des cavernes? Une carotte de caverne normale, et je crois qu'il en faut des goldées, mais je suis plus sûr. Ici. Non. Non. Ah non, pas de gold, tant pour moi. Il y en a 7 dans le coffre carte des cavernes. D'accord, ça marche. Comment on fait pour déplacer un objet? Merde. Ça dépend ce que c'est. C'est bon, j'ai trouvé. D'accord. Tu le détruis? Ouais, c'est ce que j'ai fait. Alors j'installe une poubelle au-dessus des coffres des saisons. Ah, pour récolter plus. C'est un pot dans lequel on peut faire des confitures et des cornichons. Voilà. Ça, c'est super chouette. Je suis vraiment incroyable comme type. Confiture, on en aura besoin. Ouais, je sais. Je suis au courant. Nom, 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 la confiture. Et pour une fois, je dors, il est 22h. Hein. J'avoue. T'as moins choqué. Incroyable. C'est incroyable, ça, monsieur. Il mange une pipillote au chocolat, voilà. Moi, je suis un enfant sage. Vas-y, je vais faire un rocher. Sponsor, faire un rocher, non, jamais. Non. Non, on va éviter, non. Moi... Bah, huile de palme, compagnie. Ouais, je sais, mais... Ah! Bah, sponsor un chocolat bio, s'il vous plaît. C'était le cas. Enfin, c'était le cas, c'est ce que t'as eu dans ton paquet. Ouais, eh ben, je l'ai pas encore goûté, mais il me tarde. Tu verras, il est tellement pas sucré. Il me tarde. Oh, cinématique. Regardez! Oh! Donc là, ça fait quoi si on va sur le wagon là, on peut aller directement à la mine? Le wagon qui est proche de la ferme t'amène chez le forgeron, à la mine et je sais plus où. La mayonnaise. Ça rapporte, hein, c'est incroyable par contre. Hein. Ah bon, on va continuer la mayonnaise.